Monsieur Bien-Aimé, j'aimerais tout d'abord vous présenter ma rubrique 2018. C'est une rubrique qui parle de, le thème est « Où est la vérité ?» C'est la rubrique de 2018. Vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi cette question « Où est la vérité ?» Si vous avez la vérité, pourquoi est-ce que vous posez encore cette question? Je vais vous dire, mes chers bien-aimés, mais pourquoi est-ce que je pose cette question « Où est la vérité ?» Parce que nous savons que nous n'avons qu'une seule vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais aujourd'hui, vous savez, mes chers bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions qui passent. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont accrochés aux émissions sans connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Avant, mes chers bien-aimés, de donner votre approbation à une prédication, lisez la parole. Regardez si c'est conforme à la parole de Dieu. Sinon, vous allez être emporté par tout vent de doctrine et puis balader à gauche et à droite, mes chers bien-aimés. Et vous savez encore une chose, j'ai entendu, j'ai vu sur Internet une dame qui disait que le chiffre 666 est bon pour les chrétiens. Vous rendez-vous compte de ça? Et c'est pour cela que je vais vous dire que 666 est la marque de la bête, la marque du diable, et aucun chrétien ne doit porter cette marque. C'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi. Voilà. Et maintenant, j'aimerais vraiment, mes chers bien-aimés, vous dire que cette vérité vous affranchira, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Si nous n'avons pas la parole, nous sommes dans l'obscurité. Comment nous allons voir où est-ce que nous marchons? C'est la parole de Dieu qui nous guide, qui guide nos pas pour que nous puissions voir où est-ce que nous allons. Est-ce que nous sommes vraiment sur le bon chemin qui mène à Jésus-Christ, ou est-ce que nous allons à gauche, à droite dans le chemin qui mène à l'ennemi? Voilà. Voilà, nous allons maintenant continuer, mes chers bien-aimés. Nous allons parler maintenant de ce sujet qui est l'image de Dieu. Nous allons avancer pas à pas, l'image de Dieu. Parce qu'on parle beaucoup de l'image de Dieu, mes chers bien-aimés. Mais sans parler du génotype, de l'écart-type, de nos ADN, nous savons que nous venons de nos parents, nous avons des aspects physiques de nos parents, des traits de caractère de nos parents, des mimiques de nos parents, mais Dieu dit que nous sommes créés à son image. Comment pouvons-nous dire que nous sommes créés à son image? Sœur Georgette, maintenant je viens vers vous pour vous demander l'image de Dieu. Avant tout, j'aimerais d'abord que vous puissiez définir qu'est-ce que l'image, afin que le peuple de Dieu puisse aller de pas à pas, step by step, jusqu'à comprendre qu'est-ce que l'image de Dieu. Si nous revenons dans la Bible, l'image de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Je vais le lire dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est vrai, nous sommes des chrétiens, nous vivons selon la parole de Dieu. Si nous regardons selon la parole de Dieu, Dieu nous a créés à son image, donc cela veut dire à sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est nous sommes là pour ressembler à Dieu, notre Créateur, notre Dieu. Sœur Georgette, nous allons vraiment être vraiment sur cette terre aujourd'hui. Nous vivons sur la terre aujourd'hui.
on dit souvent nous sommes à l'image de Dieu. Et c'est rare que nous disions aussi que nous sommes à la ressemblance de Dieu. C'est rare qu'un frère dise à un autre frère ou à une autre sœur, je suis à la ressemblance de Dieu. C'est comme une petite honte, parce qu'il y en a qui disent, bon, l'image de Dieu, c'est plus dans l'aspect extérieur, dans la beauté. Mais il y en a qui vont dire, bon, ça, Georgette, bah, je suis pas gâtée par la nature, je me sens pas très vraiment à l'image de Dieu. Dieu, je crois qu'il est plus beau que moi. Comment il peut me créer comme ça? Oui, détrompez-vous. Là, vraiment, c'est la distraction, mes bien-aimés. Cette image-là, c'est d'abord l'intérieur. Vous n'avez jamais vu une personne, on regarde comme ça, on dit, elle est laide, mais elle a beaucoup d'amis, elle est appréciée. Parce que cette image-là, cette beauté-là, moi, j'aimerais vous demander une beauté intérieure. Une beauté dans le caractère, une beauté dans le comportement, une beauté dans votre manière de vivre, et non une beauté extérieure. Parce que des fois, nous voyons des femmes belles extérieurement, mais elles se prostituent. Est-ce que c'est une beauté? Est-ce que c'est une belle chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Les hommes se jouent d'elles. Ce n'est pas ça une beauté, parce qu'il y a les hommes aussi qui se prostituent, qui courent derrière toutes les femmes pour gagner de l'argent. Non, ce n'est pas ça la vraie beauté. La vraie beauté, elle est intérieure. Moi, je crois plus à celle-là. Merci, Sœur Georgette, pour votre éclaircissement. J'aimerais savoir, Sœur Georgette, sommes-nous tous, toute l'humanité est-elle à l'image de Dieu? Est-ce que c'est seulement ceux qui vont à l'église qui sont à l'image de Dieu? Ou est-ce que ce sont ceux qui se disent chrétiens qui sont à l'image de Dieu? Ou donc voilà, est-ce que c'est toute l'humanité? Est-ce que ce sont que les chrétiens ou ceux qui vont à l'église qui sont à l'image de Dieu? Je dirais plus, Dieu est bon, il ne fait pas exception des gens. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Si Dieu a tant aimé le monde, donc il a aimé tout individu, tout être humain, tout, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Toute personne se trouvant sur la terre est aimée par Dieu et Dieu l'a créé. Pour moi, je pense, nous sommes tous à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, mais nous avons... Il y a des étapes pour vivre cette image-là et cette ressemblance-là. D'accord, mais est-ce que l'image de Dieu n'a pas elle été altérée par le péché de Adam et Ève? Parce que je pense que l'image de Dieu, c'était plus Adam et Ève, mais après, quand ils ont péché, l'image de Dieu a été altérée. Parce que, après, dans la Bible, il est écrit que nous sommes nés pécheurs. Donc, Dieu, il ne peut pas être péché, il ne peut pas être non plus pécheur, il ne peut pas cohabiter avec le péché, et on ne peut pas être à l'image de Dieu tant que nous sommes nés pécheurs. Sœur Georgette, comment pouvez-vous expliquer ce verset qui dit que nous sommes nés pécheurs? Comment pouvons-nous expliquer ça? Alors que Dieu nous dit, de sa part, nous sommes à l'image de Dieu. Est-ce que cela n'a pas été altéré par le péché de Adam et Ève? Bien qu'à l'origine, il fallait que nous soyons tous à l'image de Dieu. Il fallait que nous soyons tous à l'image. Mais par le péché de Ève qui a accusé son mari et Adam qui a accusé sa femme, mais lui-même il est responsable, celui qui est l'homme, nous avons tous été sous la malédiction. Est-ce que nous, avec cette malédiction, nous sommes toujours à l'image de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des étapes, comme vous avez dit, vous avez des étapes à suivre, que vous allez dire tout à l'heure, bien sûr. Mais est-ce que cette image n'a pas été altérée par le péché de Adam et Ève? Non, pas du tout. Vous savez, Dieu n'est pas comme un homme. Hein. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dès le commencement, quand il a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance, cette image-là, cette ressemblance-là demeure et reste. Que personne ne vous trompe. Nous sommes au temps de la grâce. Si tu pêches, tu vis une vie qui est en dehors de la parole de Dieu, notre Dieu, on l'appelle miséricordieux. Miséricordieux, parce qu'il est toujours prêt à pardonner. Si tu demandes le pardon de notre Dieu et tu vas vivre cette image-là, l'image, on peut les vivre. L'image, c'est caractère, c'est le comportement, c'est la vie que nous menons. Et Dieu est là prêt. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que tout pécheur puisse se repentir pour arriver au salut. C'est ça le souhait vraiment de notre Dieu. Donc, on a cette image-là. On vit comme on veut. Dieu, dans son amour, il nous appelle dans la liberté. C'est pourquoi tout le monde se permet de faire tout ce qu'il veut. Dieu est là dans son amour. Il regarde. Il t'aime quand même, malgré tout ce que tu fais. Dieu t'aime et cette image-là est toujours là. Il ne se répand pas de ses dons.
D'accord, si j'ai bien compris, Sœur Georgette, ça veut dire que si on se répand de nos péchés, parce que la personne que nous voyons dans la rue, qui est par exemple bouddhiste, ou c'est pas une personne qui vit dans le péché, s'il se répand de ses péchés, il revient à l'image de Dieu. S'il se répand de ses péchés, il va revenir à ces statuts-là que Dieu a donné à la création, d'être à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu nous a créés tous. Chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous l'avons. Tout le monde, que ce soit une personne sans domicile fixe, que ce soit un bouddhiste ou qui que ce soit, un musulman, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au commencement, cela était comme ça. Dieu a pris la décision. Dieu n'est pas comme un homme pour se repentir après, pour dire non, non. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce statut-là que Dieu nous donne demeure. D'accord. C'est pas plutôt, nous sommes plutôt des créatures de Dieu plutôt. Plus nous sommes des créatures de Dieu. Tout être humain est créature de Dieu, mais si nous revenons dans la Bible, c'est que nous avons lu dans Genèse 1, il a dit créons l'homme. On n'a pas dit créons le chrétien à son image et à sa ressemblance, non. Il a dit l'homme. Après, à la fin, nous allons voir, il a dit créons l'homme et la femme. Donc, que ce soit la femme ou l'homme, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord. Oui. L'image et la ressemblance de Dieu. Bon, je passe à ma question suivante. Malgré que l'on dise que nous sommes à l'image de Dieu, mais certaines personnes poussent le bouchon un peu loin en disant que on ne peut pas être parfait. Dieu, il est parfait. Dieu, il est saint. Il dit, est-ce que toi, tu es parfait pour dire que tu es à l'image de Dieu? Est-ce qu'il y a une limite entre la perfection, entre la sainteté? Parce que l'image de Dieu, Dieu, il est saint. Dieu, il est parfait. Dieu, il est sans péché. Est-ce que nous, là, est-ce que c'est possible que nous soyons saints? Est-ce que c'est possible que nous soyons parfaits? Est-ce que c'est possible que nous soyons irréprochables? Ou bien, y a-t-il une limite à ces choses-là? Avant de répondre à cette question, je vais dire, parce que nous avons beaucoup parlé de l'image de Dieu, et Dieu est qui? Parce qu'il faut connaître d'abord Dieu pour être à son image. Dieu est amour. Dieu est tout puissant, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est pur. Et en nous créant, il nous a créés avec ces attributs-là. Il a mis en nous, dans chacun de nous, que nous-mêmes par le péché, par la convoitise du monde, comme j'ai dit, que si nous sommes sauvés par nos actes, par notre comportement, cela est malheureux, nous allons nous glorifier. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Parce que si nous regardons même dans les livres de 1 Jean, la Bible dit, la personne qui dit qu'il n'a pas de faute, il fait de Dieu menteur. Nous tous, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous aime. Vous savez, Dieu est tellement saint, devant sa face, il ne voit même pas le péché. Dieu, dans son amour et dans sa sainteté, il ne voit pas le péché. Dans son amour, il nous regarde au travers l'œuvre de la croix, ce qu'il a accompli par Jésus. Il nous regarde, non, moi je les ai aimés, comme vous voyez les parents qui aiment leurs enfants. Vous allez voir une mère, même si on peut lui dire, son fils fait telle chose, la mère aura du mal à croire que oui, son fils vole, son fils, c'est drogue. Donc l'amour de Dieu est plus que l'amour d'une mère envers son enfant. Il ne regarde pas selon nos fautes, parce que personne ne va subsister. Il est tellement saint. Lui, devant sa face, il n'y a pas le péché. Devant la face de Dieu, il n'y a pas les mauvaises choses. C'est pourquoi il nous regarde au travers de son amour. Donc il ne faut pas être désespéré pour dire « Oui, je suis parfait ». Non, si quelqu'un te demande « Tu es parfait », tu dis « Par Dieu, par la grâce de Dieu, je suis parfait ». Si quelqu'un te pose la question « Qu'est-ce que tu crois ? Tu es saint ?» Oui, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, tu as cette sainteté-là à toi. Parce que la Bible dit encore dans le livre des Romains, c'est en confessant qu'on parvient au salut. Moi, je vais vous demander « Commencez à confesser. Je suis saint, je suis saint. » Et ta confession t'amènera à la sainteté, à l'image vraiment originelle de ton créateur quand il avait pris la décision de te créer. Que Dieu soit béni et je glorifie le Seigneur pour cette réponse que tu as pu donner, ma sœur Georgette, pour dire que j'aimerais ajouter une chose par rapport à David, le roi David. Quand on regarde tout le péché qu'il a fait, le roi David, quand il a tué le mari d'Abigail, hein, de sa future femme,
tous les péchés qu'il a fait, mais Dieu il a dit c'est l'homme selon son cœur. Pourquoi l'homme selon son cœur? Parce que à chaque faute qu'il faisait, David, il allait demander pardon à Dieu. Et donc à partir du moment où nous demandons pardon à Dieu, nous sommes saints devant lui. À partir du moment où nous nous repentons de nos péchés, nous avons demandé pardon à Dieu, à partir du moment là, nous sommes saints devant lui. Et j'aimerais aussi dire à mes chers bien-aimés que n'attendons pas la nuit pour nous repentir. Lorsque tu te rends compte d'une faute que tu as fait là, à l'instant même, demande pardon à Dieu, même dans tes pensées, demande pardon à Dieu, mais confesse de ta bouche, demande pardon à Dieu, n'attends pas la nuit pour dormir, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver, parce que souvent on attend la fin de la journée, 23h, minuit, 22h, pour aller prier, pour demander pardon à Dieu. Et même des fois, on sommeille sans demander pardon à Dieu. Donc moi, le conseil que j'aimerais vous apporter, mes chers bien-aimés, c'est lorsque vous vous rendez compte que vous avez offensé quelqu'un, que vous avez péché contre quelqu'un, contre vous-même, contre, vous avez fait quelque chose qui est contre la parole de Dieu, n'hésitez pas à demander pardon à Dieu. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que la mort viendra. Vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver à l'instant d'après. Mais au moins, vous avez demandé pardon. Saint Jean dit dans Philippiens 2, il est, verset 15, il est écrit. Il est écrit. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Je relis. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Comment se fait-il, sœur Georgette, aujourd'hui, dans l'église, ça ne marche pas? Dans l'église, on trouve le péché à fond la caisse. C'est comme si, comme le pasteur Étienne de la Canne qui a prêché dernièrement, il a dit, quand on prêche la parole de Dieu, quand vous sortez le dimanche, c'est comme ça, on vous a dit de prêcher le mal, on trouve le mauvais encore en vous, alors que la parole est là pour nous changer. Comment se fait-il le caractère des chrétiens est pire que le caractère des païens? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent, moi je préfère être avec un païen qu'avec un chrétien. Comment se fait-il que la personne qui se dit chrétien a encore les caractères du monde qui offense, qui fait que le frère qui est en face de lui est dégoûté de prier avec lui, est dégoûté d'être dans la même assemblée, est dégoûté même de parler avec lui, est dégoûté de l'appeler, dégoûté de vivre avec cette personne qui se dit chrétienne? Comment se fait-il que les chrétiens agissent aujourd'hui encore contre la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait ces choses-là? Ce que je vais vous demander, la Bible nous parle, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Les gens pensent le fait d'être orgueilleux, c'est quand tu montres tes vêtements. Non, l'orgueil que Dieu parle beaucoup, c'est l'orgueil que les chrétiens ont envers leur Créateur. Le chrétien ne sait pas s'humilier devant Dieu. Il faut reconnaître ta faiblesse parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience. Tu t'es dit, ah, je fais telle chose. Beaucoup de gens t'ont dit, tu fais telle chose. Mais prends une prise de conscience et quand tu n'arrives pas de toi-même, comme tu viens de nous le lire, demande l'aide du Seigneur parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il t'aidera à abandonner certaines choses. Il t'aidera à abandonner la méchanceté. Mais nous ne demandons pas à Dieu. Nous demandons seulement voiture, maison, l'argent. Demandons. C'est ça l'humilité en fait. Sœur Georgette, excuse-moi, je vais juste définir ce qu'est l'orgueil. Hein, parce que bien, parce que j'ai vu cette définition qui est vraiment super bien. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voilà. Amen, je n'avais pas cette définition. En plus, tu vois, nous sommes vraiment en connexion, que Dieu soit loué, avec cette définition. Oui, donc c'est la haute opinion de soi, chrétien. Oui, maintenant on commence à jeter la pierre à l'église. On m'a envoyé un message sur WhatsApp et soi-disant les combattants commencent à confesser que oui, les églises évangéliques vont fermer.
Peuple de Dieu, revenons vraiment dans notre premier amour. Ne déshonorons pas notre Dieu, parce que Dieu est vrai. Moi, ma vie chrétienne, ma vie évangélique, je l'ai commencée toute petite, à l'âge de 15 ans. Moi-même, j'ai pris la décision de suivre ce Dieu. Et quand je vois maintenant, on commence à dire que c'est des fausses églises, franchement, ça fait mal. Chrétiens, soyons vraiment un modèle, témoignons la grandeur de notre Dieu. Pasteur, témoignons vraiment la grandeur de notre Dieu. Pasteur, faut savoir vivre selon la parole de Dieu. Oui, il faut savoir donner, faut savoir voir aussi les pauvres, les déshérités. Notre Dieu dit dans la Bible, il est le secours des misérables. Repérez les misérables qui sont dans les églises. Tu as beaucoup d'argent, il faut savoir donner, faut savoir aider aussi pour qu'on puisse pas bafouer la gloire de notre Dieu. Moi, je crois à ce Jésus-là. Il est vrai. Il est réel. Je l'ai vu dans ma vie. Ce n'est pas qu'on m'a parlé de Jésus. Ce n'est pas ma mère m'a connu seulement à l'église catholique. Mais étant petite, moi-même, même à l'église catholique, j'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai pris l'engagement de suivre ce Dieu. Aujourd'hui, ma mère, elle a plus de 78 ans. Quand elle dit, moi, j'ai suivi ce Jésus-là à l'église évangélique, au travers de toi, ma fille. Donc, témoignons la grandeur de notre Dieu. Arrêtons de faire la honte de notre Dieu. On commence à insulter notre Dieu par rapport à nous. C'est comme dans une famille, quand tes enfants sortent dehors seuls, on va dire, c'est les parents, vous ne faites rien. Et tout ce qu'on dit, c'est, le déshonneur va vers notre Dieu. Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas kimbanguiste. Dieu est Dieu, il restera Dieu. Il n'est pas dans toutes ces entités-là. Développons notre relation intime avec notre Dieu. Une relation personnelle avec ton Créateur. C'est ça qu'il attend. C'est ça, cette adoration-là que le Créateur attend. De développer cette intimité. Et non dans les quatre murs. Oui, parce que je vais à l'église tous les dimanches. Non, ce n'est pas le souhait de Dieu. Mais Dieu t'attend. Dieu veut avoir l'intimité avec toi. Ma fille, mon fils, Dieu veut vraiment collaborer avec toi. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et quand chaque chrétien, quand chaque croyant en Dieu développera cette intimité-là, cette relation-là personnelle avec son Dieu, nous allons vivre selon notre Dieu. Et nous aurons cette image-là, cette ressemblance-là à notre papa. Et notre Dieu, on ne va plus l'insulter. Son nom ne sera plus bafoué. Revenons dans notre premier amour. Que Dieu soit béni, Saint-Georgette. Vous avez dit une parole qui est très importante. À cause de nous, en fait, Dieu, il est méprisé, on va dire, à cause de notre comportement. Et vous avez dit encore que par la parole de Dieu, nous pouvons nous écarter du mal. C'est comme ça que je traduis, nous pouvons nous écarter du mal. Parce que vous savez, comme j'ai dit au début de l'émission, le manque de connaissances nous conduit à la mort. Lorsque nous efforçons pas à écouter la parole de Dieu, lorsque nous efforçons pas à connaître Dieu, nous efforçons pas à lire la parole de Dieu, il est important de lire la parole de Dieu, parce qu'à travers la parole de Dieu, nous saurons qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas, quelles sont nos bénédictions, quelles sont nos malédictions. Vous verrez dans Deutéronome 28, vous verrez toutes les bénédictions qui sont accrochées à ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et vous verrez aussi toutes les malédictions qui sont accrochées à ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, mes chers bien-aimés. Je vous invite, pourquoi j'avais dit cette question, pourquoi est-ce que dans l'église nous trouvons les comportements des païens à l'église? Pourquoi est-ce que nous voyons tous ces comportements à l'église, Sœur Georgette? Oui, parce qu'à l'église, nous sommes tous les humains, nous sommes limités, comme je l'ai dit, c'est lui qui dira qu'il ne pêche pas et fait de Dieu un menteur, parce que c'est vrai, moi j'aime bien quand on indexe seulement les chrétiens, oui, les chrétiens ont tel comportement, mais oui, les païens aiment bien dire ça, j'ai béni le Seigneur, mais toi qui es païen, prends la décision de suivre aussi Jésus. C'est pas facile, hein. La Bible, elle dit, personne ne peut aller au Seigneur sans que le Seigneur l'attire, hein. Et les chrétiens là qui sont à l'église, parce que le Seigneur les a attirés, ils essaient comme ils peuvent à marcher selon la parole de Dieu. Les chrétiens, je ne vous favorise pas de mener une vie de désordre, mais les païens, cela ne leur permet pas non plus de critiquer les chrétiens. Toi, déjà, commence à croire à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et va à l'église et puis montre-nous vraiment les œuvres. Parce que c'est bien beau de les dire, crois en Jésus. Sœur Georgette, non seulement les païens
Voilà, nous vous voici sur votre plateau 1J4 cadenceinfopromo.com et je pense que cette chanson que vous avez écoutée, ça a pu vous faire un peu de bien, mes chers bien-aimés. Mais nous allons revenir à ce sujet, à ce petit sujet, pas longtemps, mais j'aimerais éclaircir un point. Vous savez, mes chers bien-aimés, que souvent on critique les gens de l'extérieur, on peut dire « Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il a à m'apporter ?» Mais cette personne qui ne vient par exemple pas à l'église, vous savez que cette personne-là, elle peut connaître beaucoup de choses de la parole de Dieu, mais sans que vous, qui jugeons ceux de l'extérieur, qui ne viennent pas à l'église, qui n'ont pas l'accoutrement de chrétiens, tout ça, mais tu ne sais pas à l'intérieur, dans le secret, qu'est-ce qu'il fait avec Dieu. Tu ne sais pas sa relation personnelle avec Dieu. Ça, Georgette, est-ce que ce mot païen, vous ne trouvez pas un peu fort dire un païen qui est païen? Je bénis le Seigneur, mes bien-aimés, tous ceux qui nous suivent. Ne soyez pas frustrés quand vous entendez païen. C'est un langage seulement biblique. C'est Jésus qui a mis ça. Chrétien, c'est ceux qui vivent comme Christ. Païen, c'est ceux qui vivaient hors de Christ. Mais ce n'est pas du tout une insulte. Que personne puisse considérer cela comme si une insulte, on nous traite, nous, les païens. Non, pas du tout. Loin de nous de juger qui que ce soit, parce qu'une personne peut avoir sa relation avec le Seigneur, ne fréquentant pas l'Église. Mais le païen, là, c'est notre langage chrétien. Nous employons païen, mais ce n'est pas du tout une insulte. J'aimerais bien vraiment tirer l'attention sur ça et l'éclaircir. Ce n'est pas du tout une insulte, mais c'est selon la Bible, parce que nous, étant chrétiens, nous vivons selon la Bible, selon les dires de Jésus. Il disait chrétien, il y a même un endroit là où on dit homme-animal. C'est homme-animal, selon la Bible, c'est une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur. Il vit selon ce monde comme un animal qui n'a pas l'intelligence, les facultés de prendre les décisions qu'il faut. Mais ce n'est pas du tout une insulte, mais c'est selon la Bible. C'est en même temps qu'on parle de païens, c'est comme ça, mais ce n'est pas du tout une insulte. Moi, je vous aime tous, j'aime tout le monde, hein, ceux qui fréquentent l'église et ceux qui ne fréquentent pas l'église. Vous êtes tous les créatures de notre Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de mon Dieu. Pourquoi vous méprisez? Pourquoi vous rejetez? Je vous aime. Soyez vraiment avec nous à NG4 Cadence Info Promo. Merci Saint-Georgette. Comme tu dis, on vous aime. Parce que la nature d'une personne qui a l'image de Dieu, c'est l'amour. Et vous savez, j'ai entendu cette réflexion qui disait pour être sûr d'être à l'image de Dieu, aime tout le monde, mais est-ce que aime aussi le fou que tu vois? Si tu arrives à aimer le fou que tu vois devant toi, c'est que tu es quand même arrivé à voir l'amour de Dieu sincèrement. Donc, dans notre réflexion, dis-toi, est-ce qu'en aimant celui qui est comme moi, celui qui est propre comme moi, celui qui vit comme moi, est-ce que je suis aussi capable d'aimer celui qui mange dans la poubelle? Est-ce que je suis capable de l'aimer comme j'aime mon père, comme j'aime ma soeur, comme j'aime mon enfant? Si tu es capable de dire oui, que Dieu soit béni. Mais si tu es capable de dire non, c'est qu'on a encore des efforts à fournir et que nous demandons notre effort au Seigneur qui puisse nous fortifier, parce que c'est lui qui produit en nous, comme on dit la parole, le vouloir et le faire. Voilà, nous n'avons pas fini. Hein. La prochaine émission, c'est toujours sur le même sujet, mais concernant donc pourquoi est-ce que dans l'Église, nous voyons des comportements qui sont tellement comme les païens, on va dire les païens, entre nous les chrétiens, on va dire païens, comme les gens du monde, on va dire. Comme les gens du monde, et ces comportements-là, ils dégoûtent certaines personnes qui sont au sein de l'Église, certaines personnes qui prient le Seigneur, qui, à cause de comportements de ces faux frères-là, ben, ils ne veulent plus prier. Pourquoi ce comportement à l'Église? Donc ça, ce sujet-là, nous allons le développer prochainement avec la sœur Georgette, et peut-être que nous inviterons peut-être une autre personne. Mais ça, c'est encore autre chose, mes chers bien-aimés. J'aimerais aussi vous rappeler, mes chers bien-aimés, pour passer à autre chose, c'est que 1J4 Cadence Info Promo fait des mariages. Nous réalisons des événements, des clips,
tous vos événements sociaux, tout ça, nous sommes là pour les filmer, les voir. Donc vous irez notre page ingicat-cadence-info-promo, sur notre site web ingicat-info-promo, vous verrez tous ces événements-là que nous filmons, les mariages, les anniversaires, les associations. Et vous pouvez aussi contacter le frère Paty Limondas, qui est lui-même président de la chaîne ingicat, qui fait des émissions en direct sur diverses chaînes, en direct, et vous verrez que c'est pas de n'importe quoi. Que Dieu soit béni, mes chers bien-aimés. Je vais peut-être que tu aurais donc un dernier mot à dire avant de finir notre émission. Oui, mes bien-aimés, vous que j'aime beaucoup dans le Seigneur, je vous aime, hein, je vous aime, je continue encore, je vous aime trois fois, comme Jésus était ressuscité troisième jour après. Vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Marchez vraiment avec cette assurance-là, que personne ne vous trompe pour vous dire que non, vous êtes laid, vous êtes ceci, non. Que tu es là, consommateur de la drogue, que tu es là, que tu prends beaucoup d'alcool ou quoi que ce soit, tu fumes. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sache-le que Dieu t'aime. Dieu te cherche seulement que tu puisses être en relation avec lui. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de ceux qui vont à l'église. Parce qu'il y a cette chose-là, ceux qui vont à l'église, ils ont quand même la possibilité de prier Dieu, d'invoquer Dieu. Mais toi, tu dors, tu te réveilles sans prier. Oh, tu sais, par la prière, tu peux changer beaucoup de choses. S'il y a des choses mauvaises qui ont été préparées contre toi, quand tu te lèves le matin, tu fais une prière de protection, tu seras protégé, tu seras gardé. Les aliments que nous mangeons actuellement, nous ne savons plus qu'est-ce que nous mangeons. Est-ce que c'est vraiment le bœuf? Est-ce que c'est vraiment le poulet, des choses comme ça? Mais il faut prier, parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière, tout est purifié par la prière. Avant de prendre ton repas, quand tu le purifies, tu verras, ça va changer. Tu vas être gardé des cancers et des choses comme ça. Donc c'est ça l'important d'être d'abord enfant de Dieu. Dieu ne te tient pas rigueur par rapport à ton comportement. Il te demande de changer. Il connaît tes limites. Il connaît tes faiblesses. Il dit seulement, fils, fille, demande-moi, je t'aiderai. Il mettra en toi le vouloir et le faire pour que tu sois capable d'abandonner. Donc ne reste pas dans ton coin. Apprends à prier Dieu. Et c'est ce que Dieu demande, cette intimité-là, une relation avec nous. Je vais profiter aussi pour remercier, bénir tous les pasteurs qui me suivent en Angleterre, pasteur Arthur Kembi ici en France, pasteur Philippe Njoli, pasteur Daclo et tous les pasteurs qui me soutiennent, tous les pasteurs qui m'envoient souvent des messages. Je vous aime, soyez bénis au nom de Jésus. Oui, 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 tous les pasteurs, pasteur Daclo. Tous les pasteurs, le pasteur racheté de l'Éternel, le pasteur Léandron, le pasteur prophète Ézéchiel, ainsi que le prophète Dialakana, EJC dans lequel je suis, et je passe un coucou donc à tous les bien-aimés de l'église EJC, ainsi qu'à Maman Diani. Ainsi qu'à mon Nadine et à tous ceux qui m'aiment, tous mes enfants, voilà, à tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui partagent mes émissions, tous ceux que, voilà, tout le monde. Voilà. Donc mes chers bien-aimés, je vous invite à venir à l'église EJC au 107 rue de la République, 28110 à Lucé. C'est juste à côté de ED et à côté de la cave à vin. Donc vous ouvrez le portail blanc cassé, vous allez au fond de la cour et vous verrez l'église EJC. Je vous invite, c'est là où le Seigneur nous inspire, c'est là où le Seigneur se manifeste avec puissance, avec le prophète Étienne de la Cana, avec le groupe Shalom Éternel, avec nos bien-aimés dans le Seigneur, et moi-même qui suis dedans, avec Agicat qui est là. Donc nous vous invitons à venir, vous qui n'avez pas d'endroit pour aller prier, n'hésitez pas à venir. Nous sommes au culte tous les samedis de 10h à 12h30. Je vous remercie encore d'avoir été fidèles à
cette émission et je remercie toutes les personnes qui nous suivent et n'hésitez pas à vous abonner, à partager nos émissions, à nous contacter pour tout questionnement, à nous contacter pour pouvoir faire des émissions et vraiment les pasteurs, vous qui avez la parole de Dieu, ne vous cachez pas derrière vos bibles, ne vous cachez pas derrière vos maisons, ne vous cachez pas aux quatre coins de votre église. Le monde a besoin de vous. Le monde est vaste, mais il y a peu d'ouvriers, mes chers bien-aimés. Nous ne restons pas près de nous. Même nos voisins ont besoin de la parole de Dieu. Tout le monde a besoin de la parole de Dieu. C'est pas seulement quand tu sors de l'église, comme mon frère pasteur Étienne l'a dit. Il nous prêche la parole de Dieu comme il faut, mais dès que nous ouvrons la porte, oh là, nous sommes païens à 100%. Là, c'est quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui tourne mal, donc revenons à notre premier amour, comme l'a dit la sœur Georgette, et comme c'est écrit dans la Bible. Que Dieu soit béni, et à très bientôt.